Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me contacter suite à la vidéo que j'ai diffusée hier sur Facebook et sur ma chaîne YouTube, la vidéo qui parle de la magie des intérêts composés et des sommes incroyables que ça peut générer si on fait l'effort d'écouter et d'étudier la stratégie qui permet d'atteindre ces sommes phénoménales, soit pour la préparation des études de vos enfants si vous commencez très tôt, soit pour la perspective de votre retraite. Je vous assure que si vous prenez quelques instants pour m'écouter et pour faire une simulation, vous penserez à moi toute votre retraite. Voilà, je m'y engage. Donc n'hésitez pas à continuer à me contacter. Mon agenda c'est déjà bien rempli. C'est maintenant seulement la semaine prochaine que je peux débloquer des rendez-vous. Mais donc ça sera toujours disponible de toute façon dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas d'urgence non plus. La vidéo d'aujourd'hui va surtout concerner un article récent que j'ai vu sur les échos, que j'ai lu sur les échos, qui concerne un taux d'épargne incroyable en ce moment de la part des Français pendant le confinement. Ce taux d'épargne, il est de 50%. 50% de ce que gagnent les Français part donc sur des livrets A ou sur des livrets de développement durable, au lieu d'environ 15% d'habitude. On ne sait pas s'il va y avoir ce qu'on appelle du revenge shopping, c'est-à-dire une sorte de revanche à la dépense après ces 8 semaines de confinement. On ne sait pas si les Français vont se lâcher sur la consommation qui a baissé de 30% pendant ce 35% pendant ce confinement. En tout cas, les Français épargnent. On parle de 55 milliards pendant le confinement. Les spécialistes parlent même de 100 milliards au mois de septembre. Donc cet argent-là, je vous en supplie, ne le laissez pas dormir sur ces livrets A. Certes, on n'a pas trop le choix, on est tous en train d'épargner un peu plus que d'habitude. Mais ne recommettons pas les mêmes erreurs qu'avant. Si vous faites à nouveau ce qui ne fonctionne pas, vous aurez forcément plus de dysfonctionnements. Laisser dormir son épargne sur des livrets A à 0,5% ou des livrets de développement durable qui sont au même taux, ou laisser dormir son épargne sur une assurance vie fonds euros, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Il y a d'autres solutions et c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo d'hier, c'est ce que j'ai expliqué aux gens qui m'ont contacté. Il y a vraiment des solutions gagnantes qui sont en plus sécurisées. Parce que on a tous en ce moment besoin de sécurité, on a tous besoin d'être rassurés. Oui, on rentre dans une période de récession économique, une des plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale ou depuis la crise de 1929. Donc c'est une période où la peur est prédominante. Donc les familles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin de se protéger, elles ont besoin de protéger leur épargne, elles ont besoin de protéger leurs proches. Et le rôle d'un consultant patrimonial, puisque c'est mon métier, c'est de réfléchir en se servant des supports existants, en se servant de son ingénierie, en se servant de ce qu'il maîtrise. Et surtout, c'est d'apporter de la valeur dans les besoins de ses clients. Et donc, c'est ce dont j'ai parlé dans les vidéos ces derniers jours, ces dernières semaines. Mon rôle, c'est d'apporter de la valeur. Et je peux vous assurer que de la valeur, j'en ai apporté dans les familles qui ont été en rendez-vous avec moi. Que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur les CPI, que ce soit sur l'assurance vie. La gestion de patrimoine, ce n'est pas compliqué. Il y a des grands piliers. Il faut se servir de ces grands piliers. Il faut absolument investir dans ces grands piliers en se servant des différents leviers que je développe en rendez-vous avec mes clients. Voilà, donc c'était pas un petit coup de gueule, mais enfin voilà. Il y a 55 milliards qui sont en train de rentrer dans les livrets A, qui gavent les banquiers, alors que c'est de l'argent, c'est votre argent que vous pourriez booster si tant est que vous puissiez être mis en relation avec des consultants patrimoniaux, moi ou d'autres. C'est pas la question, mais le message, c'est vraiment ne laissez pas dormir, ne laissez plus dormir votre épargne sur des livrets A. Ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné depuis des années et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera plus, c'est terminé.
Donc je déclare l'an zéro de l'épargne et de la gestion du patrimoine. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.